Bonjour mes très chers Facebookers, je ne vais pas rester là à me présenter, mais je ne cesserai de vous rappeler que ça se passe ici sur Média Espace Online. Aujourd'hui, je m'en vais voir un lion qui je ne vais pas vous présenter non plus. Quand je vais franchir la porte là, vous saurez qui c'est. C'est l'idole numéro 5 de votre émission Face Idol. Suivez-moi, chers Facebookers. Pour permettre aux Facebookers et aux Facebookers de te connaître et de mieux savoir. Parce que moi je suis tout le temps connecté. Tu vois l'endroit, il y a un Uber et tout. Donc je suis presque tout le temps connecté. Parlons de Facebook. Je sais qu'à point là, quel en est ton parcours sur Facebook jusqu'à arriver là? Facebook va lui demander de te poser quelques questions sur ta popularité, sur le parcours de la nomination de sur Facebook jusqu'à arriver là. L'histoire de mon entreprise, ça remonte à très bien longtemps. Ça fait minimum 6-7 ans. Je me rappelle bien, c'était dans les années 2008-2009. C'est en 2011-2012 où commençait la gana réellement. Et en 2013, nous avons changé jusqu'à ce que l'année, il y a deux ans de cela, un ami est venu me voir pour la groupe d'or créé, qui est une année d'or là. Mais bien sûr, maintenant, je ne veux plus partir, quand on a mis, je suis en solo maintenant, quand tu vois. Voilà. Dans la vie, parlant de dans la famille, l'EVC a donné un sort. Dans la famille après la création, ou bien je fais partie des membres créateurs même de Daola. Bon, quand je suis venu, il n'y avait pas Daola. Je fais partie bel et bien des membres qui ont créé la famille Daola. Voilà. D'accord. Mais comment c'est venu l'initiative de la création? Bon, comme je t'ai dit, Iwaro Daola Family, c'est quelque chose qui est virtuel, créé là sur Facebook. Donc, les membres créateurs, l'initiative est venue même de Daola Diga. Bon, au début j'avais l'idée de créer une famille, mais quand je l'ai vu qu'il voulait créer une famille, je l'ai approché, puis on a parlé là-dessus. On a mis en place que mais tout était sur Facebook, un peu organisé sur Facebook, jusqu'au lancement. C'est ensuite qu'on s'est retrouvé face à face. Donc vous avez créé le groupe dans la famille. Donc il y a le VSEC à fin, quel était l'objectif de la création? C'était pour que on a assez gagné, donc que ça ne. C'est limite juste parce que Facebook, il a créé une très grande famille. Daola Benitoala. On allait voir que nous sommes de la même famille. Aménion Aménion, au canal de Noma, tu vois. Bon, ce que je veux préciser, c'est juste que Daola Benitoala Tourné, c'est moi qui ne fais plus partie de la famille. Sinon, Daola Family est toujours sur Facebook. D'accord, donc sur ce, faisons ensemble un big up à la famille Daola. Big up à la famille Daola. Voilà. Qui ont le nom Daola sur leur Facebook. C'est de la part de Habib Douk et de la part de Face Idol. Aujourd'hui, on vous fait un bilan. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'es posé la question. Il va vous pousser la fin, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'important sur Facebook? Bon, étant donné que j'étais tout le temps sur Facebook, et que Dem Seigneur aura été même au Rwanda, je vois que je pouvais faire bien un truc là-dessus. C'est là l'initiative m'est venue. Tout le temps j'étais chez lui, il était sur nous. Alors au début, je ne m'étais pas sur Facebook, mais de la vie de nous, on va mourir ou pas. Et quand je suis venu sur Facebook, quand j'ai changé de profil et tout, à chaque profil, là, sur mon web, mourir ou pas, oui, très bien, mourir ou pas. Maintenant, à quel endroit, quand je poste mes photos, souvent, je le disais maintenant, avec quel endroit, tout le temps, ni profil fait changer, soit basin ou bien veste. Donc parlant de bazin, parce que
Il y a un bazin qui est en train de se faire. La seule chose que je sais que c'est que vous avez très souvent, vous avez fini par la prime, vous avez réduit. En échange, j'ai fait la promotion de ces trucs sur Facebook. C'est une belle bataille. Alors, ça va là. D'accord. Est-ce que ça t'arrive souvent de vouloir quitter Facebook? Oui, bon, effectivement, comme tout le monde, bien sûr, ça m'arrive très très souvent. C'est comme la carte des filles et nous sommes, j'ai mon bora à Comorel d'Ofo. Souvent, il va y. Et ni une coupe de médiateur, mais tu dis que nous, on va relever Facebook, et toi aussi, tu fais partie de ces agences ou de ces mondes qui peuvent le monde Facebook. Donc, il y a ces mondes qui nous ont belle accord. Mais quand je pense à tout ce qui m'arrive, à toutes ces bonnes personnes qui sont sur Facebook, je me dis, nous, on n'a pas mal à l'aider, donc mieux vaut rester. Toi, tu n'as pas été par hasard victime de piratage comme tous les autres. Non, ça n'a jamais été piraté. Il y a eu plusieurs tentatives de piratage, mais non, jamais. Ma boutique, quoi. Non, ma boutique. Donc, ma vie, bien, quand tu vois, il faut que tu comptes ma vie à pirater et puis tu essaies de pousser. Mais qu'est-ce qui montre que il y a un compte à sécuriser les deux parce que nous, on a été victimes de piratage. Pour que tu aies un compte à sécuriser, on a un pirate tout. Ouais. Bon, alors, moi, j'ai un ami qui est ingénieur en télécommunication et en informatique. Donc, allez pas faire nous maîtriser trop, même. C'est lui qui a sécurisé mon compte. Est-ce que et amis mon de Facebook quand juste les taguer quand ça avait amis sur Facebook avait causé quand ça sur Facebook. Est-ce que tu as eu déjà à rencontrer quelques-uns de vue à renouer, c'est-à-dire jusqu'à être ami en nature même, c'est-à-dire quand bon virtuel qu'on s'en guerre à ramadia et c'est vrai. Est-ce que ça m'est arrivé? Si ça m'est arrivé. Après ça, moi je dirais que même que Sania Ami ne prend pas bête. 60% de mes fréquentations maintenant, c'est dû à Facebook. Et quand j'étais dans la famille d'Orange Fichoumna, j'ai rencontré plein de personnes là-bas. Et quand je suis sorti, c'est le même scénario. Il se passe rarement une semaine ou deux semaines, il se passe rarement ça, sans que je rencontre quelqu'un de virtuel. Tout le temps, je rencontre des nouvelles têtes. Là, c'est bien. C'est une importance de Facebook. C'est pas juste des rencontres virtuelles, des causeries. Si. J'aime Donald Diakwaïmaï. Donc, c'était l'émission Face Idol. Nous remercions l'idol d'aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Média Online ne fait pas que Face Idol. Nous faisons des clips vidéo, des spots de publicité, des affiches publicitaires, de l'événementiel anniversaire, mariage. Merci de la confiance en Média Online.